Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce 74e épisode sur Fallout 4. Dernier épisode, je pense, avant la reprise de la construction. Nous sommes sur le toit, enfin sur l'autoroute littéralement. Viens donc faire un tour sur l'autoroute, yeah, yeah. Et en fait, je viens de découvrir cet endroit particulier. Il y a des super mutants. Et donc, j'aimerais un petit peu peut-être le visiter avant de reprendre les quêtes rapido de. De comment. Oh bah merde, le mec avait un fusil d'assaut. Avant de reprendre les petites quêtes rapido à. Merde. Diamond City, voilà. Gratte-ciel en ruine. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Juste pour voir. Oui, bon, je le prends pas le fusil d'assaut. Je sais que ça coûte de l'argent ou des matériaux. Mais je suis déjà full inventory. Donc, inutile. Inutile de trop se surcharger. Et bah voilà quoi. Alors. Voilà, je monte. Ouais. Je suis monté. Tu es là, quelque part. Ah merde. C'est con parce que j'aurais aimé récupérer tes munitions, mon grand. Oh, mais ils se font plaisir. Petit balcon. Ah, j'ai cru que c'était un chargeur. J'avais trop l'habitude de jouer à Borderlands. Hein. Petit balcon avec piscine. La qualité. Oh là là, il y en a qui se font plaître. Hein. Oh, ces super mutants étaient bien installés. Non, on va pas prendre ça. Inintéressant. Et là-dedans, il y avait des crocs. Non. Centre 360. 360 no scope. Alors. C'est grand. Non, il y a personne. Oh, oh, ça fait mal. Oh, une rafale de balles explosives et... Bah oui, c'est à nous maintenant, oui. Le mec était pas bien dangereux, il avait une arme de merde, hein, littéralement. Mais quand ils sont nombreux, hein, ils peuvent être dangereux, même avec des armes de merde. Hein. C'est ça qu'il faut toujours faire attention. Mince. L'effet de la vodka a cessé. Nesdrovie. Ambiance stalker. Je bois de la vodka. Alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, j'ai commencé une autre série sur Stalker Shadow of Chernobyl. Peut-être ne le savez-vous pas. Et peut-être que ça vous plairait. Parce que ma foi, le jeu est vraiment sympa. Donc on se fait un petit marathon. On se fait la licence... la totalité de la licence Stalker. Ma foi, un jeu assez cool. Il faut quand même apprécier le jeu. Hein. Le jeu est très particulier. Mais moi, il me plaît beaucoup. Justement, peut-être parce que bon, j'expliquais justement dans Stalker que le jeu était très brut. Oh, des cartouches. Oh, cool. Oh là là, il y a plein de cuivre ici en fait. Oh, regardez-moi ça. Oh non, mais je peux rien prendre. Je peux rien prendre. Je suis surchargé. Je suis obligé de boire de l'alcool. Je peux rien prendre. Notons ça quelque part. Je viendrai. Faire mes courses chez toi, hein, et voilà. Je note ça dans un coin de ma tête. Qu'il faut que je vienne faire mes courses ici. Parce que c'est bien, parce qu'il y a... Il y a pas mal de... Oula, 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 oula. Arrête, arrête. Oula. Ok, non, bah ça c'est parce que c'est Piper qui buguait dans l'ascenseur. Ok, très bien. Baisse de framerate quand le jeu se met à bugger, qui sait plus ce qui se passe dans sa vie.
Miamomatic. Voilà, je referme. La cantine est fermée. Ok, bon bah descendons. Hein. Je crois que ça sert à rien de faire des chichis plus que ça. Eh oh! Ah, oui, c'est vrai qu'on m'avait parlé d'un truc qu'on pouvait des fois renvoyer les ascenseurs pour monter par-dessus. Bon, déception. Ah, oh, je ne peux rien prendre, je suis full inventaire. Oh là là. Oh là, tellement de choses à récupérer ici. Oh, je viendrai récupérer ça après, mais... Tellement de choses et voilà, et une mine ici. On pensait pouvoir m'avoir, mais non. Je suis bien trop malin pour vous. Quartier du théâtre. On ira faire un tour après. Un oreiller en paille, inintéressant. Une trompe de tic. C'est pas comme un éléphant. Quartier du théâtre. D'accord. Ah oui, non, c'est vraiment en fait pour sortir du bâtiment. Donc ça m'intéresse pas. Moi, je vais retourner là-haut parce qu'il y a un deuxième bâtiment où on peut visiter et faire des choses. Vous voyez, l'ascenseur, il est là. On m'avait dit, tu peux renvoyer l'ascenseur et puis ensuite tu vas dans la cage d'ascenseur, des fois il y a des trucs cachés. Bah oui, mais en fait il n'y a personne donc Ah, oh bah pour une fois Piper a été intelligente et est montée avec moi dans l'ascenseur. Alors je sais que je pourrais avoir d'autres Ah, vodka. Je sais que je pourrais avoir d'autres compagnons. Terrasse de café. Et puis m'enjailler. Mais j'aime bien Piper. Et puis on a une relation privilégiée, elle et moi. Voilà. Je pense que vous comprenez. Faudrait que je teste ça, un de ces quatre. De renvoyer l'ascenseur. Et d'essayer de voir s'il y a... Ouh, oula. Alors, j'aime bien votre petit cul, mais il y a des limites. Hein. Faut pas me le mettre dans la face direct comme ça, puis faut prévenir avant. Je regrette toutefois le fait qu'il n'y ait pas de musique dans cet ascenseur, alors qu'il y en avait à Diamond City. C'est pas cool. Donc ouais, non je changerai pas je changerai pas de compagnon. À moins que... Oula. D'accord, on arrive à l'extérieur. Bonjour. C'est un maître super mutant. Vous avez fait du bon boulot. Et il s'est fait démonter, hein. J'ai de chasse, blablabla, métal. Ouais, bravo. Voilà. Et il avait une super masse. Et je suis toujours en danger parce qu'apparemment il y a un autre ennemi qui aurait bien envie de me faire les fesses. Vas-y, vas-y, tu peux le faire. Le jeu qui se met à ramer, oh, comme c'est pas permis. Ok, bon, c'est revenu. Nickel. Et il n'y avait rien d'autre ici qu'un mec tout seul qui s'enjaillait sur le toit. A plus tard, Piper. D'accord, elle est à côté de moi. Vous avez pas une histoire drôle à raconter? Non, mais tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Bon, bah on va aller sur la piscine. J'ai l'impression qu'il a du mal, hein, le jeu, à partir de là.
Oui, j'ai réussi à le faire tomber. Je suis tellement content. Bon bah, allez-y Piper, faites le café. Il est tombé. Est-ce que nous aussi on peut aller là? Bon, c'est cool, remarque. Est-ce qu'il est mort en tombant? Ah. J'espère que oui. Ah non, même pas. Ah non, ça doit être un autre. Aïe, oui. Ah, oh, eh, bon, hein? On leur a donné une bonne leçon. Chute un petit peu. Et il y a quelqu'un d'autre là. Est-ce que ça serait le mec qui serait tombé justement? Le mec a genre survécu et il est là en PLS dans un coin. Ah non, pas encore. Australie, bah non, pas encore. Putain, je vais devoir picoler à ne plus savoir qu'en faire. À moins que j'avais vu une perque intéressante. Vous voyez, hein, j'ai quand même pris pas mal de level. C'était ça la perque intéressante. 25 de plus. Je peux déjà prendre ça. Augmente de 50. Ouais, bah, c'est peut-être pas non plus nécessaire. Ça, ça fait quoi? 60%? Ouais, c'est pas mal. Ouais, bon. Vous savez quoi? Je vais augmenter ça. Voilà. Comme ça, je peux transporter encore plus d'équipement. Et voilà. Plus besoin de me faire chier. Je suis à combien, là? Ah, je peux transporter jusqu'à 310. Eh, au saumon, mon préféré. Allez, je rentre là. Ce que je voudrais, moi, c'est aller au bâtiment en ruine. Donc, en gros, il faut que je remonte. Que je reprenne l'ascenseur, non? Non, c'est pas par là. Attendez, ça doit être par là. Voilà. Ici, et que j'aille de l'autre côté. Donc là, on y est. Ok. Donc ça j'ai pris. Bol en plastique, je m'en fous. Cependant moi je voulais aller de l'autre côté. Et puis après on ira résoudre la quête. Allez, je prends ça. C'est à moi maintenant. Je peux transporter encore plus de choses. Je m'aperçois que on n'aura peut-être pas le temps d'aller jusqu'au bout de l'épisode en finissant la quête et blablabla. J'ai envie de dire non. Tant pis, je vais vous faire un épisode un tout petit peu plus long que d'habitude. Je pense que ça ne dérange personne. Ça s'est mieux passé. Alors, calmé. Oh, le mec avait juste une grenade. Oh, et une masse. Non, ça ne m'intéresse pas. Monsieur, ce que vous vendez ne m'intéresse pas. Par contre, l'autre, les autres ici avaient des armes sympas. Hein. La chair de rat de cafard, j'en ai pas besoin. Ah, c'est son fusil d'assaut que je voulais prendre. Allez, je prends la grenade. Je la donnerai à Piper au cas où, parce que je crois qu'elle a déjà balancé des grenades. Allons-y, de bon cœur. Yeah. Et cette fois-ci, je me rends dans ce bâtiment. Qui n'est pas le même, apparemment. Bon, clairement, on fouille vite fait l'endroit, on la vide d'ennemis, après c'est bon. Hein.
contre, il y a des ascenseurs partout. J'aime pas ça, je déteste quand il y a trop d'ascenseurs. Une cacola. Il y a eu un petit affrontement entre les artilleurs et les super mutants, on dirait. Oh, ça fonctionne encore, ça. Oh, si joli. Ce truc a connu des jours meilleurs. De l'aluminium, bah j'ai envie de dire pourquoi pas. De qui tu arracheras les jambes? Moi je t'ai explosé la tête. Ah, la planche, merde. La planche je prends parce que la planche ça me fait du bois. Manuel brûlé, m'en fous. Ah donc ça y est, c'est tout ce qu'il y a là. Faut prendre l'ascenseur pour continuer. Bon, ok. Soit. On a l'habitude maintenant des ascenseurs. D'ailleurs, c'est même hyper étonnant que les ascenseurs fonctionnent encore après un bombardement atomique. Ça doit être genre super dangereux quand même de les emprunter. Moi je ne ferais pas ça, hein. Personnellement, dans la vraie vie, et si j'avais le choix, ça serait non. J'arrive! Je viens jouer avec toi! Laisse-moi jouer! Oh, bah c'était pas long! Bah dis donc, c'est pas gentil ça, moi je pensais qu'on allait pouvoir jouer un petit peu plus longtemps. Hein? T'es pas sympa? Je prends ça. Ah, ça y est, je suis déjà trop lourd. Mince alors. Est-ce que j'ai pas des trucs que je pourrais bouffer? Voilà, histoire de me remettre un petit peu de vie. Y'a quoi là? C'est con parce que j'ai déjà plus de place dans l'inventaire. Allons bon, où ils sont partis? Je savais pas à qui ils avaient affaire. La traque de sécurité. Bah. Ok, ça je prends. Hey. Qu'est-ce que je peux faire? Tenez, jetez un oeil. Putain, je te donne des grenades. Ça te va? Tu aimes les grenades? Ah, je porte toujours trop de trucs. Le mec prend du savon avant de se décharger de trucs inutiles. Non. Qu'est-ce que je vire? Ah, tant pis pour les pots de peinture vides. Et voilà. Et malheureusement, je ne pourrai plus rien prendre d'autre. Oh, il y a tellement de choses. Et Piper a tellement plus de place. Bon, cependant, par contre, je vais prendre des munitions, là, sur le trajet. Très certainement. Ah, je voudrais prendre cette planche, mais je peux pas. Là, par contre, si je pouvais recycler à l'extérieur des villes... ça serait foufou, hein. Vous imaginez tout ce bordel que je pourrais recycler? On prend cher dans mon cul. Effectivement, mec.
Aïe aïe aïe, oui oui. Attendez, attendez, attendez une seconde. J'ai besoin de soins. J'arrive. Je me prends un petit steam pack et on est bon. Voilà. Mais évidemment, je peux pas prendre ça sans me débarrasser d'autre chose. Ah, vous êtes chiant. Voilà, je suis débarrassé d'une arme. Normalement, je devrais être un peu plus léger. Donc cet endroit est habité par les artilleurs. Bah pourquoi pas? Ça y est. Coucou. Ah. Bon, c'est pas grave, ça fait de l'XP. le téléphone plutôt. Alors, est-ce que je peux tout prendre? Pareil photo. Non. Non, je peux pas tout prendre. Bon. Vire les deux pistolets là, voilà. Je monte ici. J'arrive, les copains. Une montre en or. Et une brosse à cheveux qui devenra du bois. Et c'est tout. En fait, cet endroit était petit. C'était pas tout à fait ce que je m'imaginais. Je m'imaginais que c'était un peu plus grand. Bon. C'était déjà bien. Hein. Ah mais attendez, nous on vient de là, j'ai pas été par ici là. Prends les paquets de cigarettes, ça se revend bien ça. Ouais, je prends la brosse à cheveux. Alors, voyons voir. Voilà, ça a du mal à charger par ici. Si, c'est bon. Oula, 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 oula. C'est bon à peu près. Je suppose que si je descends là, je meurs, hein. Donc ça m'arrange pas. Oh, quand même, le jeu est optimisé à la pisse. Allez. Parce que je pense que c'est le calcul des ombres. Il fait ça. Il y a 30 000 ombres à calculer. Alors, bon, bah maintenant que ça c'est fait, on va aller récupérer cette cette quête là, cette sauterelle. Alors oui, je sais, ça fait quelques minutes déjà que l'épisode devrait être terminé, mais je me dis qu'on pourrait rester un peu ensemble et terminer cette quête. Voilà, je vous fais un épisode un peu plus long que d'habitude. Je sais pas si ça vous fait plaisir ou si ça vous emmerde. Dites-le moi en commentaire si ça vous emmerde. Je ferai des épisodes plus courts. Mais je pense que ça pourrait être sympa. Pour une fois, on continue nos petites quêtes ensemble. Ah, tu m'étonnes qu'il y avait des ombres à calculer. Même pas mal. Donc ça c'est à moi. Allez, finissons-en. Est-ce que je viens de me... Aïe. Aïe, pousse-toi. Pousse-toi. Je vais... me soigner. Piper a tendance à toujours se coller devant moi.
Non mais ça suffit là un petit peu, hein. Calme-toi. Alors il y a un mec avec sa bombe qui m'attend quelque part. Voilà. Où est cet enfoiré avec sa bombe là? Oh, des glandes radioactives. Où est-ce qu'il est parti le mec avec sa bombe? Lance-missile. C'est lui la fusion, oh! Enfoiré! Salut! Je déteste quand le jeu fait popper des ennemis au pif comme ça, juste devant toi. Le mec n'était pas là il y a 10 secondes, et là, tout d'un coup, salut! Au fait, j'ai oublié de m'afficher. Ça fait une heure que je sais pas comment m'afficher, et bah là, comme je suis à côté de toi, je me suis dit, je pourrais peut-être apparaître. Optimisez votre jeu, Bethesda, regardez-moi ça, ça rame. Et pourtant, bon, je suis pas sur une machine dernière génération, hein, là, quelques années quand même. Mais je suis pas sur une machine dégueulasse non plus. Arrêtez de déconner. Allez, on se le refait, en mieux cette fois. Oh là là, dès que tu dois afficher des trucs, ça rame. Ah ouais, t'as la mécanophilie. D'accord, bon, t'es vraiment t'as la peau coriace, toi. Hein. Oh là 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 là, non mais arrêtez-vous deux minutes là. Eh, on se calme, les ennemis là. Et donc, j'ai pas le droit de passer par là. Tu veux te cacher? Tu vas crever. Soit. Alors, je vais passer par là. Voilà. Chute. Je prends ça et bah, je te laisse le reste. Écoute. De toute façon, ça ne me servirait plus à rien, étant donné que je suis déjà trop chargé. Je prends ça. Bon, cette fois-ci, on arrête avec les ennemis à la con qui pop au pif, hein? On est d'accord. On se met d'accord, le jeu. Ouais. Ah oui, mais non, là... Écoute. Ah ah! Bon, j'ai très mal, mais j'ai survécu. J'ai survécu cette fois. J'étais bien niqué, hein? Enfoiré. Ah, puis j'ai tué son pote en même temps. Ce qui m'arrange.
j'allais te vous dire. Et une grenade frag. Ok, bon. Ça y est. Tac. Oh non. Oh si. Oh si. Oh si. Je te vois. Mais moi aussi je te vois en fait. C'est pour ça. Bon, voilà. Essaye de mourir quand même. Bon, je commence à... Mes munitions baissent rapidement. Il va falloir... falloir remédier à ça bientôt. Bon, toi, t'as pas pu tirer tes missiles. Donc, c'est à moi. Le mec avait quand même un lance-missile avec lui. Okay, et donc cette fois-ci, je peux la faire, ma quête. Aïe. Bon. Bon, et eh ben je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas où est passé Piper, mais bah, elle reviendra. De toute façon, elle a l'habitude. On va s'arrêter là, j'avais dit normalement le prochain épisode c'était de la construction. Je préfère terminer ça, terminer les petites quêtes à Diamond City et ensuite on s'y remet, promis. Mais du coup, donc le prochain épisode c'est la suite de la quête. Et donc l'épisode d'après ce sera très certainement de la construction cette fois-ci. Voilà. Donc merci d'avoir suivi ce 74e épisode en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like, un commentaire, éventuellement partager la vidéo avec vos amis, votre famille et qui sais-je encore. Je vous dis à très bientôt et surtout hashtag amour viril.